Parti Environnement Pays de la Loire, c'est la Fédération régionale de protection de la nature et de l'environnement. Je suis moi-même Xavier Mettet, donc coordinateur de cette association maintenant depuis plus de 10 ans. Et si je m'engage et que je travaille au sein de cette association, c'est effectivement pour faire évoluer les comportements, les pratiques des individus, mais aussi des collectivités, des entreprises, pour réussir la transition énergétique et la transition écologique et répondre aux urgences justement que cette COP26 a pu rappeler. Notre exercice de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour faire avancer les choses et accompagner les collectivités justement pour aller de l'avant et être plus ambitieux. Et puis, on réalise tout un tas d'actions de sensibilisation du grand public, mais aussi d'inventaire naturaliste qui permet de montrer effectivement que le changement climatique a déjà des impacts sur la biodiversité en France et en région Pays de la Loire. C'est un grand rendez-vous, pratiquement annuel. On a eu la COP21 à Paris qui a permis justement d'avoir l'accord de Paris, d'avoir des engagements forts pour rester sous les 2 degrés d'augmentation de température au niveau planétaire, et que ce grand rendez-vous de Glasgow est justement l'occasion pour les États de confirmer leur engagement, ce qu'a pu faire la France, ou aussi de prendre des engagements supplémentaires sur certains sujets. Donc c'est un rendez-vous indispensable pour créer cette dynamique et maintenir la dynamique liée à la COP21, la COP de Paris. Alors après, ce bilan, est-ce qu'il va en ressortir là dans les heures qui viennent, en conclusion de la COP26? Mais il sera jugé positif pour certains, peut-être négatif pour d'autres, parce qu'effectivement, selon comment on se place, on peut avoir un avis divergent. Ce qui est à retenir, c'est que pour un grand nombre d'acteurs, dont les associations de protection de l'environnement, on estime que ça ne va pas assez vite, pas assez loin, au regard des urgences climatiques que nous connaissons, et que même si l'accord de Paris est respecté, et donc on arrive à rester sous les 2 degrés d'augmentation de la température planétaire, ces 2 degrés d'augmentation amèneront des modifications sur nos territoires, et donc va nous demander de nous adapter. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, donc à l'échelle française, mais aussi à l'échelle de la région Pays de la Loire, c'est cette adaptation et comment on fait aujourd'hui pour travailler dans ce sens-là. Alors on le voit au niveau régional, on a déjà des projets et une politique régionale qui peut effectivement aller dans ce sens-là. Et ça, c'est des choses qu'on peut effectivement discuter. On s'attendait dans la COP26 à avoir effectivement de grandes discussions entre les États, mais aussi les lobbies qui étaient fortement présents à Glasgow. On sait très bien que pour respecter l'accord de Paris, qu'il faut sortir des énergies fossiles, qu'il faut limiter la déforestation, accélérer les transitions vers d'autres mobilités, par exemple, et encourager l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc, c'est des points sur lesquels, effectivement, on a pu voir que ça a chopé un peu, sortir des énergies fossiles, alors qu'on a encore des pays comme la Chine ou même l'Australie qui parient sur le charbon. Ça peut vraiment poser question. Limiter la déforestation, on voit bien que le Brésil n'a pas non plus pris d'engagement pour limiter la déforestation et les feux en Amazonie. Donc, voilà. Donc, il y a une grosse déception sur ces grands enjeux. Après, nous, c'est comment, en France, on peut aller de l'avant. On voit bien que la France essaye d'être moteur sur certains sujets. Et puis, en région Pays de la Loire, on a aussi des documents sur lesquels ces engagements internationaux doivent être pris en compte. Je pense au SRADET, le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité sur les territoires. Voilà, c'est un document qui vient de passer en enquête publique, qui va être donc validé dans les semaines qui viennent par le préfet de région et le conseil régional des Pays de la Loire. Voilà, on peut s'attendre à ce que dans ce document, on ait une vraie dynamique, une vraie ambition sur, par exemple, l'isolation des bâtiments, parce qu'on va devoir travailler beaucoup plus sur l'efficacité et la sobriété énergétique, tout un chacun, dans notre champ d'influence individuel, dans le champ d'influence d'une entreprise ou d'une collectivité, c'est vraiment agir plus fortement sur la sobriété de nos modes de vie et sur l'efficacité aussi de ce qui existe aujourd'hui, avant de vouloir développer d'autres types d'énergie. Et je pense qu'effectivement, un des enjeux, en tout cas FNP et la Loire, on affirme qu'il faut absolument aller vers plus, par exemple, d'isolation dans les bâtiments, dans le tertiaire, et que c'est vraiment quelque chose qui va être créateur d'emplois aussi local et qu'on peut avoir une plus-value là-dessus. Tout aujourd'hui, il faut effectivement garder espoir, et je pense que l'homme n'est jamais aussi intelligent, en intelligence collective, on va dire, qu'au pied du mur.
Et nous sommes au pied du mur du défi climatique qui nous attend. Et effectivement, je pense qu'ensemble, tous ensemble, on peut réussir ce défi énergétique.